messieurs, mesdames et messieurs, un peu de silence, là, nous passons à la partie officielle. Je souhaite la bienvenue au syndic de Guécrin, Nicolas Savoie, à qui je vais maintenant donner la parole, mais tout d'abord, je vais traduire en allemand. Je wünsche Name vom Syndic Glettenhaus Nicolas Savoy. Herzlich willkommen. Ich übergebe das Wort an ihn. Und ich rufe wieder später das Orchester zu präsentieren. Bis nachher. Na. Avant de passer à la partie officielle, j'aimerais juste vous demander pour remercier l'organisation du Giron 2013, la Société de développement, la Société de jeunesse, et dans une moindre mesure la commune de Glétrance, de nourrir des gros applaudissements pour les remercier de cette magnifique infrastructure. Monsieur le député, messieurs les syndics, mesdames, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté qu'au nom de la commune de Glétrance, nous vous accueillons pour ces festivités. Contrairement aux années précédentes où la fête nationale se déroulait dans la zone touristique, le conseil communal et la société de développement ont souhaité profiter de ces infrastructures liées aux jeunesses, au Giron des Jeunesses Broyades pour inviter les habitants des communes voisines et nos estivants. Pour la commune de Glétrance, c'est l'occasion de faire plus ample connaissance avec vous, de partager un moment de convivialité et de renforcer les liens très forts qui nous unissent. C'est également une manière plus légère et plus festive d'aborder le projet de fusion à quatre communes fribourgeoises. Ces prochains mois, les conseillers communaux œuvreront ensemble pour vous préparer une étude afin que vous puissiez vous déterminer sur la suite de ce possible mariage. Ce travail n'est certes pas sans difficulté. En effet, chaque partie devra faire preuve d'ouverture d'esprit et aura des efforts à fournir pour cheminer en direction des autres. Toutefois, c'est possible. Cette possible fusion est à l'image de notre pays. La plupart de nos voisins citent d'ailleurs en exemple notre confédération pour son pragmatisme et pour sa science du compromis. Ces qualités nous permettent en outre d'affronter une conjoncture mondiale peu engageante tout en intégrant des nouveaux habitants. Nous bénéficions donc de bases encourageantes pour consolider notre projet. En fait, nous avons déjà des objectifs communs. L'agrandissement de l'école, le regroupement scolaire, la STEP, les pompiers, ainsi que plusieurs sociétés sportives et culturelles, gageons qu'ils vous serviront d'exemple dans un proche futur. Pour conclure, le conseil communal de Glétrance souhaite remercier le comité d'organisation du Giron pour avoir mis à disposition ses infrastructures, la société de développement pour son aide précieuse, mais surtout les 700 bénévoles qui nous permettent de passer une très belle soirée et d'assurer le bon fonctionnement des festivités de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et au nom de la commune de Glétrance, je vous souhaite une belle soirée, un bel été et à l'année prochaine. Merci.